Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. Le RWDM s'est repris suite à la lourde défaite contre Danes en Coupe de Belgique en s'imposant lors de leur premier match en division amateur contre le RC Liège. Les Molenbeekois ont débuté la rencontre avec de bonnes intentions. Dès la troisième minute, Kabe excentre pour Liard, mais sa tête trouve le portier liégeois. Première possibilité donc pour le club bruxellois. Le RWDM insiste et cela va finir par payer. Amrani décale Liard sur le côté gauche qui centre. Le ballon est repoussé dans les pieds de Johan Broekaert qui inscrit le but du week-end. Superbe reprise de volée à la 13e minute de Broekaert qui inscrit donc là le premier but du RWDM en championnat cette saison. Du côté liégeois, pas grand chose à se mettre sous la dent. Seule possibilité en première période, cette frappe qui est toutefois loin d'inquiéter Sadin qui passe pour l'instant un match assez tranquille. Le score à la pause est donc de 1-0 en faveur de Molenbeek. Ils ont malheureusement une demi-occasion, un but magnifique, ballon dégagé, une reprise de volée magnifique, rien à faire. Après derrière, voilà, ils n'ont rien d'autre et nous on n'a pas non plus de grosse occasion, mais on est plus dans leur camp, donc il faut s'appuyer là-dessus en deuxième mi-temps et y croire jusqu'au bout. En deuxième période, le schéma de la rencontre est identique. C'est Molenbeek qui est à la manœuvre avec cette nouvelle possibilité, mais la frappe de Bova est déviée de justesse. Bova que l'on retrouve quelques minutes plus tard avec cette tentative de lob qui finit sur le toit du but. Belle possibilité pour l'attaquant qui méritait sans doute mieux. En tribune, la situation s'envenime entre les supporters des deux camps. Profitant d'un arrêt de jeu suite à la blessure de Célestine, certains supporters en profitent pour s'intimider. Des images que l'on préférait ne jamais voir lors d'un match de football. Le match reprend après de longues minutes d'interruption, mais Liège n'y arrive toujours pas. En témoigne ce coup franc sans grande conviction de Van de Bon. Liège pousse pour revenir au score, mais cela donne des possibilités de contre aux Molenbeekois. Bova est prêt de tuer tout suspense avec cette possibilité à la 85e, mais sa frappe finit largement au-dessus. On en restera là dans ce match, que cela soit sur le terrain ou en tribune, le spectacle n'était pas toujours au rendez-vous. L'essentiel pour le RWDM, c'est d'avoir réagi suite à la claque prise contre Danes, de quoi retrouver la communion avec leurs supporters.